Sir Graham Wilson, si vous voulez répondre. Merci, cet député, pour poser une question. Et comme Gareth Fesch s'est exprimé dans la langue de James Joyce plutôt que la langue de Shakespeare, je voudrais m'exprimer dans la langue de Robert Burns en tant qu'Écossais. Representing the fitness industry in Europe has a goal of getting more people more active more often. We had in 2015 50 million Europeans who were doing regular exercise. Our goal was to get that to 80 million by 2020. In fact, we will exceed it. We are already almost at 70 million. And we need to, if we are to deal with the major problems of health costs, yes, which our society is facing. But my question to Yves and Christophe, and perhaps to a slightly lesser extent to Gareth for the UN, is how are we going to manage what needs to be the massive growth of an industry and the professionalization of an industry to do this? We need to have proper standard setting. We need to have a much greater view of mobility of labour within the industry. We have worked with the Commission on the idea of whether you can introduce qualifications levels for the industry-led rather than government-led. And I'd be interested to know the perspective of the Commission these days and of people like Christophe with his huge experience of this on where we're going and how we are going to get to where we need to be. Thank you, sir. Yves, peut-être pour commencer. Écoute, ma première réaction, je n'aurai pas de réponse satisfaisante à cette question, mais qui est très importante. Mais ma première réaction, c'est de dire que ce que Graham nous décrit est une excellente nouvelle. Bien sûr, nous sommes très satisfaits de cette évolution et nous sommes très satisfaits de l'évolution à ce rythme d'un partenaire qui est d'ailleurs un partenaire très important dans le cadre de la Semaine européenne du sport et de toutes nos activités. Maintenant, surtout l'accompagnement que vous décrivez ou que vous demandez, j'aurais du mal à répondre d'une manière générale, mais je dirais que premièrement, on mène un travail commun que tu as juste mentionné, Graham, sur tous les problèmes de reconnaissance, de qualification, à la fin de mobilité, je crois qu'ils peuvent contribuer aussi à ce développement. Et deuxièmement, je dirais que toutes nos politiques qui se développent de plus en plus en matière de promotion du sport santé, sont aussi des éléments qui peuvent, avec nos partenaires, contribuer à votre développement. Je dirais juste une chose peut-être, et ça sera aussi mon mot de conclusion. On a travaillé ensemble, je crois, très bien. Quand je dis « on », je parle aussi plutôt de mon commissaire qui va quitter très probablement ses fonctions à la fin de l'année. Et mon commissaire, il ne s'agit pas du tout de faire de propagande, ce n'est pas l'objectif ici, mais mon commissaire laisse quand même un bilan excellent, remarquable en matière de sport, et surtout un héritage considérable. Et un de ces héritages, on en parle aujourd'hui, hein, c'est justement tout l'accent qui a été mis depuis quelques années, de plus en plus, sur la promotion de l'activité physique et sportive, sur la politique qu'on appelle HEPA dans notre jargon, et ces 10 millions annuels qui vont augmenter. Et le deuxième élément considérable de ce bilan, c'est ce qu'il laisse. Et ce qu'il laisse, c'est la proposition de programme Erasmus+, avec le doublement du budget sport et avec une orientation très nette mise sur le grassroots sport et le sport santé. Donc voilà, c'est pas une réponse complète à votre questionnement, mais quelques éléments de réflexion. Gareth, just a few. Yeah, well, the infrastructure is already in place. Universities need to actually reinvent themselves, which is, you know, I came from Edinburgh. I met with the Professor Liz Grant there. We were talking about a salutogenic approach, so we can develop new PhD programs. I'm doing some work with Professor Alan Delaney and the University of Milano on these sort of programs that we can develop. So the infrastructure is there, the wisdom is there, because the knowledge, you have a lot of people who are coming to retirement, all the exits from the health service, so you can tap into that. So I believe we have solutions.
And the sports industry can play a huge part in this. Think of Stade de France, 80,000 people. Why do we not have public health messages at these games? Mm. Why do we not empower our professional sports athletes to be part of the solution? These guys are role models. They reach millions of people like that. These are the sort of solutions and the sort of innovative thinking we need to come up with if we're going to alleviate these huge problems. You talked about the healthcare problems that we have, enormous costs, you know, so there are some of the solutions. Oui, bah, moi je suis en plein de, dedans dans la demande de Sir Graham Watson. C'est que, bon, moi ça, je fais 37 ans que j'ai commencé l'industrie du fitness, j'ai ouvert mon premier club il y a 35 ans, donc ça fait quand même quelques années. Et depuis 1989, où j'ai créé la Fédération Fitness, je l'ai créé dans un but, c'est que je me suis aperçu très rapidement, venant du milieu du sport, on n'a pas dit tout à l'heure, j'étais lutteur, on m'a posé la question dans quelle discipline tu étais. Je fais les Jeux Olympiques en lutte, hein. Les Jeux Olympiques en fitness, ça n'existe pas pour l'instant. Donc je suis venu à ça un petit peu par hasard, mais j'ai compris que je n'avais pas envie d'être entraîneur national de lutte, que j'avais envie de faire du sport aux gens à une plus grande échelle. Et donc, on est en train d'achever un de mes buts de ces 20 dernières années, qui est d'avoir enfin, en France, un diplôme fitness fait par l'industrie du fitness. Pourquoi ? Parce que ce qui se passait en France, pour ceux qui connaissent un peu le marché français, c'est que le sport en France était très, très régi par les ministères. Hein. Et je suis tombé sur Laura Flessel, qui était une amie ancienne athlète, qui a compris mon discours. Je lui ai dit, Laura, j'ai vu depuis ces 20 ans 10 ministres des sports, mais ça ne fonctionnait pas. Pour vous donner un exemple, il y a un brevet d'État en France qui était un carcan où tu fais un an d'études, et même si tu avais un bac plus 4 comme professeur d'éducation physique, tu voulais être prof de fitness, tu passais par ton brevet d'État. Donc beaucoup de jeunes rechignaient à refaire une année comme ça. Et ce brevet d'État qui était fait depuis des années par l'administration ne correspondait pas au marché du travail. C'est-à-dire qu'un jeune qui sortait avec un brevet d'État, ça ne s'appelait pas fitness, d'ailleurs ça s'appelle d'expression gymnique, comme si les gens avaient dit « tiens, je vais faire un cours d'expression gymnique » pour vous donner déjà la différence entre le langage parlé et comment on appelle quelque chose. Et donc, les jeunes qui sortaient de ce brevet d'État n'étaient pas du tout en adéquation. Ce n'était pas du tout ce qu'attendaient les employeurs, où on voulait qu'on s'occupe bien des gens, qu'on connaisse un petit peu de nutrition, qu'on sache prendre en charge les clients qui payent pour un abonnement, et plutôt que de connaître l'insertion du sternocléidomastoïdien, par exemple. Donc là, j'arrive à mes fins. Et là, enfin, avec des organismes comme le Cosmos, avec le ministre des Sports qui est parti entre-temps, mais la nouvelle chef de cabinet de la nouvelle ministre, elle a repris le truc avec moi, je l'ai revu deux fois. Et là, pour la première fois, je pense qu'avant l'été, on va avoir un diplôme fitness en France fait par la profession du fitness. C'est un combat personnel depuis 20 ans. Et nous, notre organisme, on a rejoint, par exemple, tout ce qui est EREPS. C'est-à-dire que même moi, j'ai pris une affiliation EREPS qui, pour l'instant, ne me sert pas en France parce que le diplôme n'est pas reconnu, parce que l'État français veut toujours son brevet d'État. Mais dans d'autres pays, je pense qu'il est effectivement important qu'on travaille avec les mêmes diplômes. Il y a un petit problème, c'est l'éducation. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, on a entendu parler des deux plus grandes sociétés européennes, s'appelle Basic Fit, qui est une société hollandaise qui est en train d'inonder un petit peu l'Europe. Ils veulent faire 1000 clubs en France. Bon, moi j'ai discuté avec René Moss, qui est le grand patron. Il m'a dit, Christophe, aujourd'hui je fais des clubs low cost en France parce que je n'arrive pas à trouver de prof de fitness en France. Je sais que c'est mieux de donner des cours, de faire du coaching, de s'occuper des clients. On a de meilleurs résultats et les clients sont plus fidèles que de vendre juste des équipements. Mais comme moi, je dois ouvrir un certain nombre de clubs parce que mon fonds m'oblige à progresser, en fait, je n'arrive pas à embaucher les personnes. Donc, il y a un problème avec la nouvelle génération. On a perdu beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie de s'engager pour devenir prof de fitness ou coach parce que c'est pas très bien payé, c'est pas très bien considéré. Donc on a tout un travail également de séduction pour séduire une génération de jeunes parce qu'on veut faire 80 millions de personnes qui font du fitness. Comment on va les accueillir? Qui va les entraîner? Qui va s'occuper d'eux? Donc il y a une chose à faire, c'est qu'on cherche
à recruter. Et là, en ce moment, on essaye tout. En ce moment, j'ai embauché une jeune blogueuse qui a 1 million de fans, hein, mais qui est jeune, et je vais payer cette personne-là pour qu'elle poste sur les réseaux sociaux en train de faire du fitness, en train de s'entraîner, et qu'elle fasse la promotion pour que les jeunes deviennent profs de fitness. Donc, parce qu'il faut utiliser les méthodes modernes. Donc, effectivement, on va avoir de plus en plus de gens. Il faut qu'on ait aussi, qu'on soit capable de faire des diplômes qui soient cohérents avec ce que l'on attend, puisqu'on veut rendre des gens en meilleure forme, en meilleure santé, il faut que les gens soient formés. Et il faut aussi qu'on arrive à recruter suffisamment de jeunes pour pouvoir entraîner les futures personnes qui vont arriver à faire du sport. Merci, merci. Je vous ai motivé là. Je peut-être on va recruter peut-être 4 ou 5 personnes d'entre vous ce soir. Je n'aurais pas perdu mon temps. Vous avez une proviseur.